Je vais aller prendre une douche et m'habiller avant de descendre. Je suis partie faire des courses. Je passe prendre les enfants à l'école à midi et je rentre préparer l'anniversaire de Jason. Ne travaille pas trop. Je t'aime. Ça m'a fait du bien de prendre une bonne douche. Je me sens presque réveillé. J'ai un peu de temps avant que Grace et les enfants n'arrivent. Je vais en profiter pour travailler un peu. Il fait un temps magnifique dehors. Je pourrais en profiter pour aller un peu traîner dans le jardin.
J'ai bien avancé sur les plans. Ça devrait être terminé pour lundi. Content d'avoir terminé mon travail. Je vais pouvoir me détendre et profiter de la journée. Je crois qu'une tasse de café me ferait du bien. Doucement, vous allez me faire tomber. Ah, alors, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui que je vais être grand. 10 ans, c'est pas encore tout à fait grand, mais tu t'en rapproches. Je vais pouvoir conduire ta voiture? Je crois qu'il va te falloir encore un peu de patience. Ethan, tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu peux pas rattraper. J'arrive. Ils sont tous excités depuis ce matin. J'arrivais plus à les calmer au supermarché. Et toi, ça va bien? T'as réussi à travailler un peu? J'ai pas mal avancé sur les plans. Encore quelques détails à régler et on devrait être prêt à présenter le projet immobilier au client. Oh, j'ai 1 milliard de choses à préparer. Ça sera jamais prêt avant que les copains de Jason arrivent. Tu peux me donner un coup de main? Il doit y avoir des assiettes dans le buffet du salon. Pas de problème, je m'en occupe. La porte se coince souvent. Ouvre d'un coup sec. C'est le service que nous a offert ma mère. Fais-y attention.
attention, d'accord? T'inquiète pas, je voudrais pas être responsable d'un incident diplomatique avec ta mère. Désolé, je vais les poser plus doucement. Je pourrais mettre un peu de musique. J'irais bien jouer dehors avec les enfants. Ça y est, je suis libre comme l'air. Bon, 5 minutes les garçons, ok? Après, il faut qu'on déjeune, les invités de Jason vont arriver. Ok, promis maman. Qui veut commencer? Moi d'abord! Non, moi d'abord! Du calme, on va faire chacun son tour. Jason, on va faire l'hélicoptère. Ok, chaud. Tu es prêt? C'est parti! Attention, accrochez-vous. Sean, le déjeuner est prêt. Je vais le chercher.
Saul? Qu'est-ce qui se passe? C'est Merlin. Il est mort. Il est mort et c'est de ma faute. Mais non, Sean, tu n'y es vraiment pour rien. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il vive encore un peu. Tu sais, Sean, certaines choses doivent arriver. Même si on ne le veut pas. C'est pas juste, papa. C'est pas juste. Je sais. Jason, tu ne devrais pas t'éloigner, tu sais. Il y a beaucoup de monde. Dis papa, je pourrais en avoir un. J'en voudrais tellement un. S'il te plaît, papa, allez. D'accord, on va acheter un ballon. Super. Hey, mon grand, comment tu t'appelles? Jason. Quel ballon te ferait plaisir, Jason? Le rouge. Le voilà. Ça fait $2, monsieur. Jason, attends-moi. Attends papa à lapin. Il y a vraiment beaucoup de monde. Tenez, gardez tout. C'est impossible d'essayer une paire de chaussures avec tout ce monde. Oui, Jason? Il était là il y a une seconde. Je lui ai acheté un ballon. Le temps que je me retourne, il avait disparu. Disparu? Comment ça, disparu? Ne bouge pas d'ici. Je vais le chercher et je reviens. Jason! 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 Hey, mec, fais attention! Jason! 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 Attention! Jason! C'est pas Jason! 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 Jason!
Salut, Sean. Salut, papa. C'est l'heure du goûter. Est-ce que tu as faim? Oui, un peu. Je vais voir ce que je trouve dans la cuisine. Tiens, Sean, voilà ton goûter. Merci, papa. Comment ça se passe à l'école? Est-ce que ta maîtresse est sympa? Tout va bien, papa. Bon. Tu veux qu'on parle un peu? Parler de quoi? Je ne sais pas. De toi, de tes copains. Comment ça va? Rien de spécial. Sean, tu veux faire tes devoirs maintenant? S'il te plaît, papa. Je pourrais encore regarder un peu la télé. On les fera plus tard, d'accord? Il vaut mieux s'y mettre maintenant. Comme ça, ça sera fait. Va chercher ton cartable et installe-toi dans la cuisine. Je vais venir t'aider.
J'ai terminé. Je peux aller regarder la télé? Laisse-moi jeter un œil. C'est bien. On dirait que tu as terminé. Tu peux y aller. Ça te dirait qu'on joue à quelque chose ensemble? Je préfère regarder la télévision. Est-ce que tu veux que je te prépare à dîner? Non, merci, j'ai pas encore faim. Grace à la garde de Sean ce week-end. Je crois qu'il est impatient de retourner chez sa mère. Il éternue. Il a l'air d'avoir pris froid. On dirait que tu as attrapé froid. Je vais voir si je trouve un médicament pour te soigner ça. Tiens, prends ça. Ça devrait aller mieux. Merci, papa. Est-ce que tu veux que je te prépare à dîner? Je veux bien, je commence à avoir très faim. Bon, je vais voir ce que je peux te préparer. Je t'appelle quand c'est prêt. Thank you.
Tu peux venir, Sean? Le repas est prêt. J'arrive! Allez, Sean, c'est l'heure d'aller au lit. C'est pas l'heure. Je me couche jamais aussitôt. Tu as raison, il est encore tôt. Je reviendrai te chercher quand il sera l'heure. Thank you.
Allez, Sean, c'est l'heure d'aller au lit. Je suis pas encore fatiguée. Est-ce que je pourrais rester encore un peu? Ça ne serait pas raisonnable, Sean. Tu as école demain. Il faut que tu ailles te coucher. D'accord, j'y vais. Tu viens avec moi? Brosse-toi les dents et mets-toi en pyjama. Je te rejoins. Bonne nuit, Sean. Mon nounours! J'ai pas mon nounours, papa! Tu l'as sûrement laissé quelque part dans la maison. Tu n'as pas une idée où il peut être? Non, papa. S'il te plaît, je peux pas dormir sans lui. Je vais aller jeter un coup d'œil dans la maison pour voir si je le trouve, ok? Merci, papa. Bonne nuit, Sean. Bonne nuit. Papa? Oui? Pourquoi est-ce que t'as l'air malheureux? Je crois que j'ai besoin d'un peu de temps pour redevenir comme avant. Tu sais, c'est pas de ta faute ce qui est arrivé à Jason. Bonne nuit, Sean.